Encore un talent caché de Monsieur Normandie, hein. Celui du talent d'acteur. Ah oui, oui, parce que il est très content. Il est très content d'être à 2h30 du matin dans son camion, Monsieur Normandie. Par 3 degrés dehors, là. Ah oui, oh, oui. En plus, il va à Château-Thierry. Quel bonheur, quelle joie. Mais bon, cela dit, c'est le métier qu'on a choisi. Et comme disait Freddie Mercury, faut rester positif, Monseigneur. Mais non, non. The show must go on. On va avoir des problèmes, coucou, on va aller en enfer. Hein. Allez, Château-Thierry, c'est parti. Bien que c'est un client qui commence à me courir sur le haricot, mais j'irais plutôt que ça me court sur l'aubergine. Oui, merci dame nature. Pourquoi je dis ça? Bon, parce que là, voilà, je suis arrivé un petit peu en avance hein, pour éviter des bouchons en région parisienne. Ça s'est très très bien passé ce matin, j'étais très très content. J'étais même content de rouler en région parisienne. Oui, à cette heure-là, c'était parfait. Bon, par contre, tu vois, j'arrive chez mon client. Petit roupillon. Oh, j'étais bien. Mais ça fait tel un doudou, là, qui est près d'une cheminée. Tu vois, sur mon plaid, là, tout doux, là. Oh, c'était parfait. Et là, par contre, je vais arriver à quai. Il va falloir que j'attende au cul du camion et que je les regarde vider. Alors que c'est un conteneur qui reçoit plombé, mais... Merde ! Du coup, bah, je vais rester comme un piqué. Même pas un piqué, un ficus. Tu sais, une plante verte. Allez-y, videz. Je ne regarde pas, je m'en fous. Leur petit règlement, là. Ah, et là, je vous le dis, parce que sinon, ça va être un massacre. J'espère qu'ils ont réparé leur machine avec la soupe. Parce que là, ça va partir en cacahuète. Allez, on va se m'attaquer. Incroyable, hein. Je me mets à quai. Le gars, je lui dis, bah écoute, voilà, hein, tout va bien, hein, je suis bien aligné, bien en hauteur. Je dis, bah écoute, je vais prendre mon café. Puis là, ça commence. Non, tu n'étais pas là, tu peux pas décharger, moi. Mais c'est pas grave, il est plombé, c'est un conteneur, je vais juste prendre mon café. Oui, mais moi, je ne peux pas décharger, j'étais pas là. Très bien. Je suis parti prendre mon café et je suis parti aux toilettes. D'ailleurs, les toilettes, parce que là, je me suis bien vengé par rapport à leur procédure. Avec la raclette d'hier, il va leur falloir une thérapie de quelques années avant de s'en remettre. Et là, ça commençait à m'emmerder un petit peu. Bref. On va appeler le traiteur, on va partir quelque part. Ah non, de Dieu! J'aime bien quand on prend mon conteneur avec le sourire. J'ai mes repères, au niveau de la sympathie, il y a le level. Bon alors par contre, là j'ai des nouvelles pour demain. Alors demain, je suis très content parce que déjà, je ne vais pas à Montargis. Mais je retourne en fait à Château-Thierry. Alors j'espère que Château-Thierry va pas se transformer en nouveau Montargis. Où je vais faire que des navettes comme ça. Parce que je sens que ça va vite me plaire. Parce que encore Montargis, bon bah quand il va, le temps qu'il décharge, tu peux te mettre dans la couchette. Faire un petit roupillon qu'à Château-Thierry. Non, non! Le chef, il a dit, faut regarder! Alors, il faut regarder quand on décharge! Mais non! Oh là là! Alors, on va me dire, oui, Mathieu, t'es jamais content. C'est vrai, je suis jamais content. Mais qu'on me donne un grand tour, là, dans le sud. Là, je serais content. L'autre jour, quand je suis allé près de Vienne, j'étais très content. Alors qu'on dise pas, ouais, t'es jamais content. L'autre jour, j'étais content. Là, je suis pas content. quelle misère! Dis donc, bah c'est que ça a ronflé un petit peu. Mais dis donc, aurais-je eu ma caméra d'allumée? Mais non. Bah si. Mais non. Bon bah il semblerait que là il me reste 2 heures de volant. Donc c'est impeccable pour pouvoir rentrer chez moi. Puisque demain bah, c'est retour à Château-Thierry. Et bah autant reprendre le départ de ce matin. Pour que demain je refasse exactement le même trajet. Allez, le feu orange, bisous. Alors peut-être que socialement tout de suite là je ne suis pas forcément abordable. Non plus qu'il faille me prendre avec des gants ni avec des pincettes. Avec que dalle. Ne m'approchez pas parce que là... J'ai envie de cramer quelque chose, ne serait-ce qu'une ville au hasard, ou un entrepôt éventuellement. Parce que la navette, j'en ai bouffé pendant 5 ans en véhicule léger. 5 ans. Non, emmenez-moi. Allez, je rentre chez moi,
Je vais voir les petits oiseaux, le faisan, les biches, le renard. Et ça va aller. Et je vais prendre un petit peu d'antidépresseur pour aller mieux dans ma tête. La maison, c'est parti, oui. Je crois que je vais commencer à jouer au loto parce qu'il y en a ras-le-bol. Enfin, pas ras-le-bol du métier, mais je suis tellement bien à la maison. Peut-être aller voir la chouette. Elle nichait là avant, la chouette. Moi, je vais rentrer, manger, me lever et me coucher. Depuis 2h du mat', ça commence à tirer un peu. Ouf, je vous dis à demain. Bisous. On est un vrai rebelle comme moi et qu'on fait la même chose que hier, on se dit oh, et si en fait je remettais exactement la même vidéo qu'hier puisque je fais des boucles, des allers-retours. Et bah en signe de rébellion, je pars 10 minutes plus tard. Eh ouais, oh, c'est des gens comme moi, je pense, sont un peu les instigateurs de la révolution de 1789. Faut parfois être un décideur, un meneur de troupe. Oh, un chevreuil. Ou un loup. Non, c'est un chevreuil. Un chevreuil ou un loup. Oh, bah lion. Allez, on va se réveiller mieux que ça et puis on va prendre la route. Wouh. Je reviens, à moins que je fasse bouffer par le chevreuil. Mais... c'est bon, c'était pas un chevreuil carnivore. Allez, Château Thierry, ou alors on peut appeler ça aussi le nouveau Montargis. Hein. Et bah c'est parti. De nuit. Ça a quand même quelque chose de satisfaisant. Tu roules seul dans l'obscurité, dans ton cocon, t'as ta musique, t'es un peu hors du temps, hors de l'espace. C'est un temps pour toi, c'est un temps pour une sorte d'introspection, tu vois. Moi j'adore, je suis fan. Bon, un peu moins fan de passer par Paris, quand même, parce que bon, malgré les belles lumières, tout ça sur la GoPro, c'est sympa. Mais bon, quand on te dit à 86, à 4, 20 et quelques minutes, et puis qu'un peu plus loin, c'est marqué, bah, la 4 est fermée. Démerde-toi, donc ça va que j'avais la chance d'avoir connu Paris un petit peu avant de faire du camion, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait pour trouver ma route. L'expérience, j'ai un peu roulé ma bosse, on peut le dire. J'ai le temps de faire une petite sieste, et je vais pas me priver. À tout à l'heure. Mais dis donc, j'ai fait un gros dodo et j'ai eu la peur de ma vie. Il y a un bloc toilette ici. Bon, j'y vais plus. Hein. J'y suis allé une fois il y a très longtemps, genre l'année dernière. Et ça a bien changé. Les toilettes sont bouchées, les douches sont bouchées et l'urinoir sert de défécoir. De défécatoire. Bref, il y a un tas comme ça mélangé de papier et d'excréments dans un coin. Du coup, je vais dans la nature. Parce qu'il y a des gros buissons à côté. Donc je me mets face à un buisson qui me surplombe. Hein, parce que c'est sur un talus comme ça. Et je fais mon petit pipi du matin tranquillement. Et là, qu'est-ce que je vois qui passe? Un rat du Justin Bridoux. Un rat comme ça. Oh, j'ai eu juste le temps de faire un chiette, tu vois, petite parade sur le côté là, sinon bah je... On m'appelait Madame Normandie. Oh, j'en suis sûr qu'il était hostile. Allez, on va se mettre à quai, on va passer à autre chose. Hein. Bah j'avais pas fait gaffe, parce que en plus d'être obligé de rester au cul du camion... Chose que je ne fais pas hein, en tant que rebelle de la société, hein, anarchiste total. Bah t'as une petite affichette juste à côté du quai. Je vous montre ça, ce sera plus facile. Pas le droit de téléphone, pas de manger, ni boire. Les chaussures! Ah, tu mets la cale? Tu donnes la clé? J'ai dit, tu donnes la clé! Là, tu la mets! Ça donne envie, hein? Allez, on va appeler l'affréteur, tiens. Il y aura peut-être une bonne nouvelle, qui sait? Bon voilà, on se retrouve chez ILS. Alors c'est un endroit où on va décharger, recharger des containers. S'il vous plaît. Oui monsieur. Auriez-vous à manger ou à boire? Ça fait combien de temps que vous êtes là? J'attends mon tour depuis 128 ans. Oui, je l'ai dit, on attend longtemps ici.
bah voilà, une soirée qui se termine, une journée qui se termine depuis 2h du mat, là ça commence à être... Et quelle heure? 20h. Oh mon dieu, je suis éclaté. J'ai rencontré pas mal de monde tout à l'heure, alors j'étais stationné tranquillement ici, et je voulais soulever un petit point avec vous, comme quoi vous êtes exemplaire, c'est au niveau des croisettes, sur la route, appel de phare, klaxon, tout va bien. Et j'ai remarqué un truc, et c'est très bien ce que vous faites, parce que justement, vous l'auriez pas fait, ça m'aurait permis de râler, et là je peux pas râler, alors que pourtant râler, c'est quand même l'essence de la chaîne, tu vois, s'il n'y a pas de râlage, la chaîne n'existe pas quelque part. Enfin bref, j'ai donc remarqué qu'aucun d'entre vous ne klaxonnait en ville, ni dans les villages, et ça c'est très bien, parce qu'il faut se mettre à la place des habitants. Ils sont pas dans le truc avec nous, on se croise, c'est la fête, c'est les copains, c'est les camions, pouette pouette. Non, ils sont chez eux tranquillement. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à klaxonner à fond dans les villages. Comment ça va, gros con? Et par pitié, le faites pas. On passe après, nous, les routiers, l'ensemble de la profession, vous savez comment ça se passe, hein. Il y en a un qui fait une connerie, c'est toute la profession qui prend. Bon bah là, c'est pareil. On respecte les gens, et peut-être qu'après, les gens respecteront un peu plus les routiers. Sur ces belles paroles, moi je suis claqué, j'en peux plus. Je vous dis à demain, des gros bisous. 6h15, mercredi matin, nous partons voir des hippopotames. Je vais dans un truc qui s'appelle Hippo Center. Hippo Center, en matière des spotters. Bonjour les spotters. Dès le matin. Hein. Alors ça c'est... C'est normal au Havre. Ça c'est un renard qui transporte un chat crevé. C'est le Havre, c'est normal. Il y a des renards, il y a des chacals, il y a des coyotes, des loups la nuit. Mon dieu, il fait pas bon sortir dans son camion la nuit au Havre. Moi je vous le dis. Ah, allez, c'est parti mon kiki. Arriver. Par contre, aucun hippopotame à l'horizon. Je pense qu'on s'est foutu de ma gueule. À moins que... Ah non, ok, j'ai compris. C'est une base secrète des joueurs les plus puissants de Hippo Glouton. Hippo Center. Tu vois, pour pas attirer l'attention, ils auraient pu appeler ça Hippo Glouton Center. Non, juste Hippo Center. Et comme ça, tous les joueurs mondiaux, l'élite de Hippo Glouton se cachent ici. C'est bien vu, je me suis fait avoir. Autant pour moi. Bon, un client absolument fabuleux. Le patron qui me regarde, il regarde le camion et dit, disons, il claque votre camion. Hein. Je dis, oui, c'est vrai, c'est pas faux, ouais. Voilà pourquoi ce client était fabuleux. À partir du moment où maintenant un client me dit un compliment sur le camion, il devient fabuleux. Bon, puis après, voilà, ça charge. Hein. On avait quand même pris le temps de charger, hein, plus d'une heure et demie. Et à la fin, je vais voir les secrétaires pour faire les papiers. Et dès que je rentre, j'entends... Ah, oh, c'est Monsieur Normandie, c'est Monsieur Normandie. Gros mytho. Quoi, c'est vrai? Bon, bref, on fait les papiers, tout se passe bien et allez. Bon, retour au Havre, c'est parti. C'est bizarre ça. C'est bizarre, tout se passe bien. Restons sur nos gardes. J'attends pas trop longtemps, y a pas de bouchon, pas d'anomalie au niveau des codes. Ouais. En plus, une bonne nouvelle, là, je descends à Fontenay-le-Comte. C'est pas la porte à côté, ça fait du bien. Il va se passer quelque chose. Allez, on va chercher un open top chez Arnal, faire le plein, puis on va commencer à descendre. Si d'ici là, il s'est rien passé, c'est que je suis mort et je suis en train de rêver sûrement à un monde idéal en camion. Allez, Arnal, c'est parti. Le plein est fait, on a pu caler une 15 minutes dans la file d'attente. Direction Fontenay-le-Comte pendant 2h30, suivie d'une petite pause de 30 minutes. Et nous avons en plus un sandwich jambon crudité. Bah je crois que voilà, on a tout gagné. Hein. Impeccable. Ah, quoique tout gagné, j'étais plutôt parti sur un jambon emmental. Un peu de légumes, ça fera pas de mal. Oh que non! Allez, Fontenay-le-Comte, c'est parti. Yeah, you wanna put that dish in your mouth. Please.
Je me suis arrêté à la sortie 40 pour faire un petit lavage parce que j'ai une coupure à faire. Donc on va autant allier l'utile à l'agréable. Et c'est sûrement un de mes endroits pour laver le camion, un de mes centres de lavage préférés. Et je me suis dit, mais écoute, comme ce gars est super sympa, on va essayer de lui amener un petit peu de monde. Alors, je vais lui laisser ça. Ça, c'est des stickers. Il y en a 17 exactement, je les ai comptés. Ils vont rester ici. Et pour un lavage ici, si jamais vous venez là et que vous dites, et si je te dis coucouille, et bah là, il vous donnera un sticker, Monsieur Normandie. Alors, qu'est-ce que j'ai en échange avec ça? Absolument rien. Juste le bonheur de rendre des gens heureux. Oui, c'est ça aussi, Monsieur Normandie. C'est des routiers qui se rapprochent. Enfin, quand ils se rapprochent... Enfin, voilà. Code coucouille, sortie 40 sur la 84. Allez, une journée qui se termine. Bon, elle s'est terminée depuis tout à l'heure parce que j'ai quand même été me faire un petit resto. Enfin, un resto. Une cafétéria sur une aire de repos. L'air de la Vendée. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, Mathieu. Tu t'arrêtes avant la fin de tes heures et tu te fais plaisir. Journée assez intéressante parce que le client de ce matin, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. La marchandise qu'il a chargée, c'était un spa pour cheval. Une espèce de grosse machine où tu peux rentrer un cheval et à l'intérieur, bah, t'as des jets d'eau pour le masser, le cheval bien. J'en parlerai à Absolème quand je le verrai. J'ai jamais été dans un spa. Il y a des chevaux qui ont été dans des spas avant moi. Qu'est-ce que c'est que cheval de luxe? Et journée intéressante parce que j'ai eu plein d'appels de phare, des croisettes, des rencontres avec des abonnés, c'était franchement super. Et j'ai même eu une croisette que je tenais à signaler tout particulièrement parce qu'en fait ça m'a rappelé une vieille vidéo que j'avais vue. Et dans toutes les croisettes que j'ai fait, je vois au loin un Volvo gris d'un youtubeur qui s'approche sur la 13, on se croise, donc on s'entend pas forcément. Et cette personne là, bon bah j'ai trouvé son courage extrêmement évolué par rapport à ce que j'avais pu voir au Mans où il s'était enfui 2-3 fois, ou la peur tout simplement. Et là, en fait, il avait son rideau tiré, ce qui fait qu'on voyait pas. Donc moi, j'ai juste fait ça, et j'ai vu ça. Attention, gros délinquant. Que bah c'est vrai que quand on a le courage de porter ses convictions comme ça, ça a le mérite. Voilà, je pense qu'il faut signaler ce genre de comportement courageux. Quel courage! Bah ça me fait du contenu déjà. Après, bon, moi je me dis, c'est pas bien grave. Étant donné qu'il n'y aura pas de suite par manque de courage et de conviction, et de porter ses couronnes également. Et puis bon, quand tu vois l'individu, c'est l'individu bah, qui critique tout le monde. C'est l'individu qui fait ça au syndicat. C'est l'individu qui se poste sur des aires de repos pour filmer des gens qui sortent des camionnettes où il y a des dames qui travaillent. Voilà, c'est ce genre de personnes, donc bon, je me dis, allez, que dire de plus, si ce n'est que, voilà, en Normandie, sur mes terres, rien ne reste impuni. Bon bah du coup, je vous fais des boujoux, une bonne nuit, et puis à demain. Ah, quelle satisfaction de reprendre la route après avoir passé une nuit merveilleuse. Petit labyrinthe. Petit labyrinthe pour sortir de là, parce que je ne vois pas comment on sort de ce parking. Peut-être là. T'as un panneau. En fait, t'as tout un parking en tortillon, là. Et t'as un panneau à un moment qui te dit, bah, par là, direction Niort. Ah, super. Ah, bah, c'était pas là, parce que là, je refais un tour, apparemment. Ah, bonjour. Je viens de partir, mais je me chauffe. Oh, la vache. Sérieux les gars? Allez, on va partir, direction Niort-Bordeaux, et après, bah tu sais quoi, je vais plus changer de ligne, hein, on va aller toujours tout droit. Ah puis j'adore ça, les guillotines à poids lourds là. Tu sais, c'est les trottoirs super hauts là, fumier, mais ça se trouve, il y a des gens, ils sont là depuis des années, ils peuvent pas sortir? Oui, oui, j'ai un beau camion, oui. Alors, Nantes-Angers, non, Niort-Bordeaux, oui. On est presque sorti, on est presque vent. Et ben voilà. Pourquoi paniquer, ça servait absolument à rien. Direction... le client. C'est parti. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau.
midi 9. Alors midi 9, attention, hein. J'ai fini le client depuis un petit bout de temps maintenant. Je suis retourné à la pesée chez Transport Fontan et j'en ai même profité pour faire mon contrôle technique juste à côté, donc super. Donc du coup là, c'est direction Le Havre, on va y aller pleine balle parce qu'on est qu'à une heure de volant. Oh bah oui, on a même le temps d'y aller tranquillement, tiens. Et parce que je suis quand même chargé à 2 tonnes 600, hein. Faut pas déconner, hein. Je crois que la consommation va pas être fofolle. Et tant mieux, sauvegarde de la planète et des nounours polaires. Allez, et puis ce soir, on va essayer de se faire un petit plat hommage. Je rends hommage à des chauffeurs en mangeant tel ou tel plat. Et là, par rapport à ce qui s'est passé hier, comme ça, vous savez, ce qu'on m'a fait là, comme ça, en passant, en se cachant bien derrière le rideau, j'ai donc décidé que pour cette personne-là, il y avait un plat hommage, andouillette frites. C'est pas mal ça? Andouillette bah, pour le personnage et des frites par rapport à l'hygiène. Ah ouais, tiens, je vais me trouver ça pour ce soir. Allez, Le Havre, c'est parti. Encore une bonne soirée passée chez Chanchan, c'est Chantal. Pas facile à dire, hein. Aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, c'était la foire aux abonnés. Donc, il y avait plein de monde, on a fait une belle table de 8 et on aurait pu en faire une doudouze pratiquement. Oh mon dieu! Bon, je me suis mis en bout de table, normal. Bah, les jeunes ont sorti leur iPhone avec leur filtre et puis ça a donné des trucs comme ça. Viens, mon mignon. Allez, viens, abonne-toi. Mets un petit pouce. Et le pouce, tu le mets sur internet, quoi. Il faut t'abonner maintenant. Abonne-toi. Les bagarres. Hé, les gros bagarres, mon gars. Souvent blessé, je sens bon la marée. Qui suis-je? Ah, les gars, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai eu les yeux plus grands que le ventre. Ils m'ont épuisé, ces jeunes. Ils m'ont épuisé. C'est. J'ai aussi rencontré un abonné qui s'est fait un petit t-shirt personnalisé. Juste là, tiens. Bon, bah, je crois qu'on peut pas faire mieux en t-shirt. Le Havre, c'est parti, ouais. Voilà, c'est devenu une institution maintenant. Mon dieu. J'ai créé des monstres. Bref, comme d'habitude, après avoir mangé, et encore, j'ai pas bu de cidre du tout, hein. Et bah, je suis quand même claqué. Bref, demain. Demain, on va à Caen. Alors, Caen, chez mon petit client que j'aime bien, le petit client qui, à chaque fois que j'y vais, oh, mon seigneur. J'ai des clients qui sont un peu fous, mais très gentils. Mathieu va faire dodo. Mathieu est un peu plus, il est fou, fracassé. Je vous reprends demain. Enfin, tout de suite. Bref, vous avez compris, comme d'habitude. Allez, bisous. Salut la jeunesse! Vendredi matin, toujours motivé le vendredi parce qu'on sait que c'est week-end tout à l'heure. Si t'arrives toi là, ils sont fous les gens, ils veulent me rentrer dedans. Bref, on va faire un petit plein d'Adi Blue. Petite bonne nouvelle, après je rempile sur ce que j'avais l'habitude de faire avant. Du 20 pieds lourd, 28 tonnes de cailloux qui viennent de je ne sais où, pour faire du pavage chez mon client à Caen, enfin Mondeville exactement. Désolé, ah oui, c'est partout, hein. Maintenant, on va falloir s'habituer à ça tout le temps. Oh mon dieu. C'est mon petit. Prends-en plusieurs, hein. Peut-être des nouvelles aventures, monsieur Normandie. Bah nom de Dieu, 28 tonnes. Je vais faire un peu moins le kiké sur l'autoroute qu'hier. Ah oui, parce qu'hier, bah forcément, j'étais à vide. Tous ceux qui étaient sur l'autoroute étaient forcément à plein. Donc je les ai doublés à pleine balle. Mais là, aujourd'hui, là, je crois que je vais restreindre ma fougue. Alors, est-ce qu'il y a du monde qu'on connaît là-bas? C'est bien, mes gens. Continuez à papoter entre vous. Bon, j'ai fait une très belle rencontre tout à l'heure. Un abonné qui n'est pas un vieil abonné, ça fait à peu près un mois, il m'a dit. Un mois, deux mois. Il m'a donné sa carte pour une petite invitation. Il m'a dit, bah écoute, ça me fait tellement plaisir de t'inviter à ça que non seulement je vais pas te faire payer, mais en plus, je vais donner de l'argent pour que tu viennes. Bito ! Bon. Allez, sur ce, nous, on part à Mondeville, à côté de Caen, décharger ses 28 tonnes. Et après, on revient là, on en prend un autre. Et là, c'est week-end. Mondeville, c'est parti.
Une petite parenthèse avant d'arriver, parce que entre le camion devant moi et moi, je pense qu'il y a eu une connexion qui s'est faite au niveau de l'esprit. Parce qu'il y avait moi, le camion, et devant un camping-car belge. On arrive au péage, sur la piste de droite, il y a la piste réservée au télépéage, 30 km/h, voilà, si tu passes à moins de 30, ça détecte ton télépéage et tu peux passer. Et moi, comme le camion de devant, on a vu un camping-car belge aller dans cette piste. On a tous les deux fait allez, piste de gauche, et de fait, bah ça n'a pas loupé, hein. Il a bloqué la piste. Non bah dis donc, c'est quand même pratique ça en France, hein. Regarde-moi ça, Gisèle, il y a une piste réservée à 30, on va y aller la personne, hein. Bah oui, bah non, pas fallait. Bah non, t'y vas pas. C'est marqué en gros, télépéage, t'as pas de télépéage, t'y vas pas. Oh, on est vendredi, c'est la fin de la semaine, je suis fatigué, je m'énerve pour rien. Allez, on continue la route. Allez hop, c'est reparti mon kiki, direction Le Havre City, Le Havre Playa, the place to be, ou pas. Surtout que là, bah, le week-end arrive, il a fait beau toute la semaine, et qu'est-ce qui se passe? Quand le week-end il arrive, bah, il pleut. Oh, c'est pour vrai, merde. Bon, parlons de choses plus graves. Il est possible que je fasse une pause au niveau de mes vidéos pendant 2 à 3 semaines. Oui, parce que j'ai quand même pris du retard au niveau du jardinage, au niveau des travaux chez moi. Donc vous inquiétez pas, il y aura sûrement des lives ou des petites vidéos qui vont compenser ça. Je sais pas quand ce sera, je vais attendre qu'il fasse un petit peu beau. Et ouais, 2 à 3 semaines sans vidéo sûrement, histoire d'avancer un petit peu de mon côté. Oui, parce que bah, j'ai une vie aussi, je suis un employé. J'ai une maison, un crédit et des travaux à faire. Allez, Le Havre, c'est parti. Récupérer ma boîte. Nom de Dieu, nom de Dieu! Bon bah ça y est, c'est le week-end. Bon attention, parce qu'il me reste quand même que 4h26 pour rentrer. Oh pardon, on va le faire autrement. Tout de suite dans les reines du yaourt, on n'a pas le temps. Ah là là, j'ai 1h45 pour rentrer chez moi et il me reste que 4h26 à rouler sur le chrono de tachygraphe. Si je vais être en déplacement, bah je vais perdre mon permis. C'est un métier où il y a trop de pression. Ou alors on peut aussi le faire comme ça. Aujourd'hui dans les reines de la broute, du vocabulaire. Bah putain, bah moi j'ai pas de comment tu mes réservoirs. Ah bah je perds maintenant, bah j'ai les gars devant, ils avancent pas. Allez, avance là. Moi je vais simplement dire que oui, j'ai le temps de rentrer chez moi en roulant tranquillement. Ah, ah bah oui, mais il n'y a pas de mise en scène là, c'est la vraie vie. Allez, la maison c'est parti. Semaine terminée, ça y est, je suis douché, je suis en mode pyjama. Oui, j'aime bien les pyjamas bien larges. Oui, oui, c'est mon petit côté féminin peut-être, je ne sais pas. Bon alors, avant d'arriver à la maison, vous avez vu, hein, il y a eu de la grêle, du vent, c'est une tempête, c'était incroyable. J'arrive à la maison, petite récompense, je vois un petit chevreuil, bah, le même que lundi, à mon avis, que j'ai confondu avec un loup, qui était là, qui m'attendait. Je range mes affaires, je fais ma lessive, tout. Je reçois un message, hey, on va au resto, tu viens avec nous? Je fais, je suis crevé, viens directement. Ça va être plus simple. Donc ce soir, bah, petite soirée tranquille au bilou autour d'une bonne pizza. Éventuellement un film ou je sais pas. Enfin bref, on va voir comment ça va se finir. On va mettre un petit peu de chauffage parce qu'il fait un peu frais dans la maison là. Et puis je pense qu'on va encore me dire, hey, il fait pas chaud chez toi. Hein. Oui bah moi je suis bien, quand t'es gras t'as pas froid. Hein. On va rester sur cette phrase, quand t'es gras t'as pas froid. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Des bougeous. Ciao. Quoi?
Y a pas de fin? Bah non, y a pas de fin. Bah oui. Bravo, monsieur Normandie. Et vas-y que ça invite du monde à la maison. Et vas-y que ça dit à des gens de passer. Et vas-y que ça fait un petit tour dans sa cour. Et vas-y que ça fait des grasses mats pour faire la scène de fin. Ha! Personne, hein. Ah bah elle est belle, la France, hein. Allez, bougeou.